Bonjour Thomas, bonjour Léon, bonjour Timothée, bonjour Paloma. Voilà encore une histoire de papy. Bon, peut-être Paloma, t'es un peu grande pour cette histoire, mais quand même, c'est une histoire de j'aime lire. Et donc, peut-être Paloma, toi, tu peux commencer à la lire. En vrai, c'est une histoire sur un roi, bien sûr, et c'est l'histoire du roi qui n'avait pas encore un trésor. Il a été écrit... Attendez, tenez-vous bien, il a été écrit par une dame qui s'appelle Françoise Clairet Colariotolo. Oh, Clairet Colariotolo. Ça, c'est un nom, hein, quand même, hein, ça pose. Hein. Et il a été illustré par des dessins de Nancy Peña. Alors, on voit, bien sûr, c'est une histoire d'un roi, donc il y a un château, évidemment, un château dans la montagne avec des tours et des drapeaux. Et puis, il y a le roi, le roi Malandre. Et puis, il y a la princesse Amandine, sa fille. Et puis, il y a le héros, mais on va voir si c'est vraiment un héros, Alban. Et donc, dans cet épisode, nous allons regarder le premier chapitre. Le premier chapitre, le roi et le diamant. Vous voyez qu'en fait, le roi, il a des pièces d'or partout, dans des pots. Et puis, il y a quelqu'un qui lui parle, là. Et puis on voit peut-être derrière, là-bas, en vert, c'est sans doute la princesse. Le roi Malandre n'aimait que l'argent et les richesses. Il ne s'intéressait même pas à sa fille Amandine. C'est à peine s'il la voyait. Chaque matin, il appelait son grand argentier et lui demandait de compter ses pièces d'or et ses pierres précieuses. Alors, le roi Malandre était content et sa journée pouvait commencer. Mais, un matin... Le grand trésorier apprit au roi une nouvelle époustouflante. Dans une grotte, un dragon gardait un coffret contenant le plus gros diamant du monde. Le roi rassemble tous les chevaliers du royaume. « Chevalier, il existe un trésor que je n'ai pas encore. »« Oh, est-ce possible ? » dirent-ils. Alors ils sont tous très étonnés. Ils sont tous très étonnés, les chevaliers. Hein. Alors aussitôt, Alban, le flatteur... s'inclina. Majesté, laissez-moi vous le rapporter. Très bien, dit le roi. Il suffit d'aller combattre le dragon. À ces mots, Alban se mit à bégayer. Dragon ? Mais c'est horriblement cruel et terriblement dangereux. Le roi hausse les épaules. Si tu as peur, un autre peut y aller. Voyons. « Qui veut combattre le dragon et me rapporter son trésor ?» Mais tous les autres chevaliers regardèrent le plafond, car tous savaient qu'affronter un dragon, c'était mourir. Oui, regarde, ils ont les yeux en l'air, ils sont là, oui, il faut voir, peut-être, moi je dois pas être là, hein, voilà. Alors, le roi décide. « Bien, c'est donc toi, Alban, qui partiras. » En échange, je te donnerai... Tiens, je te donnerai en mariage ma fille, Joséphine. Ah ben non, 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 comment elle s'appelle déjà non, 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 Amandine, Amandine. Et voilà le premier épisode de cette petite histoire du roi qui aimait tant les diamants avec l'Alban, le chevalier, qui part sur son cheval, sur son destroyer, à la recherche... du dragon qui défend le plus gros diamant du monde. À tout de suite. Bonsoir encore, Thomas, Léon, Timothée et Paloma, voici le troisième épisode de l'histoire du roi et du diamant. Je vous rappelle que un roi qui ne s'occupait que de son or a envoyé un de ses chevaliers, Alban, retrouver un dragon qui protège le plus gros diamant du monde et il lui propose sa fille Amandine en échange. Alban est donc parti et il a trouvé l'antre, la grotte du dragon. Et donc, c'est dans la griffe du dragon, le troisième épisode. Alors, vous vous rappelez, le dragon a donné un piège, enfin un test à Alban. Il lui a dit d'aller remplir un seau percé. Et donc, 20 fois, 30 fois, 100 fois, Alban alla remplir le seau de la rivière. Il revenait en marchant, en courant, en bouchant les trous avec les doigts.
Le dragon riait beaucoup. Il regardait Alban transpirer et s'essouffler. Puis, il se penchait au-dessus du seau et disait « Vide !» À la fin, Alban s'écroula au pied d'un arbre. « Tu abandonnes ?» demanda le dragon. « Non, non, répondit Alban, je me repose. » À ce moment-là, le jeune homme, qui était venu avec Alban et que le dragon tenait toujours, intervint. « Puis je le remplaçai. » Le dragon le libéra. « Mais bien sûr, répondit-il en se léchant les babines. » Alors, le jeune homme prit le seau et partit vers la rivière en disant « Suivez-moi !» C'est quand même assez incroyable, hein, parce que finalement, le dragon, il est très gentil, il les a suivis jusqu'au bord de la rivière. Hein. C'est un dragon très civilisé. Hein. Intrigué, Alban et le dragon le suivirent jusqu'à la rivière. Le garçon releva ses manches, plongea le seau dans l'eau et dit « Et voilà, il est rempli !» Le dragon, bon, c'est de la triche, rugit le dragon. Mais non, vous avez dit, va à la rivière et remplis-le. Vous n'avez pas dit, reviens avec le seau. Alors là, effectivement, hein, vous avez remarqué, hein, le seau qui est dans l'eau, il est rempli. Alors évidemment, le dragon râla, tempêta, mais il dut admettre qu'il avait perdu. Et il tendit son coffret au jeune homme. Aussitôt, Alban voulut s'en emparer. Mais le dragon grommela. Ce n'est pas toi qui l'as gagné. Il n'est pas à toi. Ah, le dragon, là, il rigole pas. Là. Et donc, Alban et son compagnon firent le chemin du retour en silence. Il ne devait pas être très content, Alban, hein, avec le compagnon sur son cheval. Le jeune homme tenait le coffret bien serré sur sa poitrine. Quant à Alban, il était tellement vexé qu'il n'essaya pas de le prendre. Et au château, le roi n'écouta même pas les deux héros raconter leur aventure. Il saisit avidement le coffret et cria « Qu'on appelle ma fille, qu'elle vienne voir son futur époux !» On chercha la princesse, mais elle n'était ni dans sa chambre, ni dans la bibliothèque. Le roi était désespéré. Si on ne trouvait pas Amandine, il devrait rendre le coffret. Le roi désespéré qui attend qu'on trouve sa fille. Mais le jeune homme s'inclina et dit « Permettez, Majesté, moi, je sais où est la princesse. » Regardez bien l'image. Il ôta alors sa capuche et une longue chevelure dorée ruissela sur ses épaules. Il défit sa longue cape et la princesse Amandine apparut. « Toi, ma fille !» grogna le roi. « Ça alors, je n'avais même pas remarqué que tu étais parti. Tu veux le coffret, c'est ça? Pas question, il est à moi !» Amandine répondit « Gardez votre coffret, mon père, gardez votre or, vos pierres précieuses, votre gros diamant. Je n'en veux pas. J'ai trouvé mieux à faire qu'être prisonnière d'un trésor. » Et elle quitta le palais sans se retourner. On dit que le roi mourut peu de temps après, étouffé sous son or. On dit aussi qu'Alban chercha toute sa vie une princesse à épouser. Quant à la princesse Amandine, on dit qu'elle partit à l'aventure. On la vit même chevaucher un dragon. Et voilà la fin de l'histoire et en trois épisodes du roi et du diamant. Et donc, une petite morale, ce ne sont pas les richesses qui font les aventures. Voilà, gros bisous à tous et soyez bien sages avec vos parents pendant ce confinement. Salut, petit Thomas, grand Léon, grand Timothée et très grande Paloma. Voici l'épisode numéro 2 de l'histoire du roi et du diamant. Vous vous rappelez, le roi qui se contrefout de sa fille Amandine et qui ne s'intéresse qu'à ses richesses et qui a entendu dire qu'un dragon protégeait le plus grand diamant du monde. Et donc évidemment, il veut le récupérer et il envoie son chevalier Alban à la recherche de ce grand diamant avec la promesse de lui donner sa fille en mariage. Et donc,
voilà l'épisode numéro 2. En route. Donc le lendemain, en claquant des dents, Alban partit à cheval vers la forêt. Il avait très peur de combattre le dragon, mais l'idée d'épouser une princesse l'aidait à avancer malgré tout. Il n'avait pas parcouru 2 kilomètres qu'il s'arrêtait déjà. En travers du chemin, un jeune homme faisait de grands gestes. « Oh, c'est qui ce jeune homme-là ? » Hein ? Alban lui demande « Que veux-tu, misérable ?» C'est quand même un seigneur, Alban. Hein, voilà. « Il paraît, chevalier, que vous partez combattre un dragon ?»« Oui, il paraît, » grogna Alban. « Est-ce que je peux vous accompagner, monseigneur ?»« Pas question, je ne veux pas partager le très... c'est trop dangereux. » En fait, il ne veut pas partager le trésor, hein, mais bon, voilà. « Je porterai votre épée, » proposa le jeune homme. « Je m'occuperai de votre cheval et je laverai vos chaussettes. » « Inutile, » répond Alban. « Un chevalier ne lave ni ses chaussettes, ni le reste. » Et l'inconnu insiste. « On dit que ce dragon est cruel. Je pourrai l'attirer pendant que vous le pourfendrez. » « Pourfendrer, c'est un mot compliqué. Hein. Ça veut dire traverser avec une épée. » « Bonne idée, » dit Alban. « Monte !» D'un bond léger, l'inconnu sauta derrière Alban. C'est l'inconnu qui parle et il saute sur le cheval de Alban. Les deux hommes cheminèrent plusieurs jours avant d'arriver à la grotte du dragon. Ça tombe bien, ils savaient où elle était, hein, ils ne se sont pas perdus. Là, Alban laissa son compagnon passer le premier. « Avance, tu feras l'appât !» Dans l'obscurité, la masse énorme du dragon se soulevait en ronflant. L'affreux animal dormait. Entre ses griffes, il tenait un petit coffre. Oh là là, ça, elle est bien dessinée, cette image. Hein. Le dragon avec son petit coffre et donc le compagnon d'Alban qui arrive devant. Rassuré, Alban écarte son compagnon. Il saisit le coffret et tira. Le dragon occulta. Alban sursauta, et il tira encore. Cette fois, le dragon se réveilla tout à fait. Il ouvrit un œil rouge abominable, puis il fit un vilain sourire plein de dents pointillées. Il gloussa. « Oh oh, mon repas vient tout seul aujourd'hui. » Alors là, moi je serais inquiet hein, pour Alban, hein. C'est sûr, hein. Si le dragon est réveillé. Et Alban bredouilla. Ce n'est pas moi le repas, c'est... » Mais Alban n'eut pas le temps de finir sa phrase. Le dragon le plaqua au sol d'un coup de patte, puis il immobilisa son compagnon avec son autre patte. Oh, alors là, le dragon, il a tout attrapé. Là. Oui, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais il tient les deux, là, hein, dans ses deux pattes. Alban tremblait comme une feuille. Le dragon lui dit « Tu vas passer une épreuve. » Si tu réussis, je vous libère et mon trésor est à toi. Mais si tu échoues, je vous mange tous les deux. D'accord ? Alban fit un petit signe de tête. Alors, il n'a pas vraiment le choix. Hein, bon. Prends donc ce seau, continua le dragon. Va à la rivière et remplis-le. À ces mots, Alban sourit, rassuré. Remplir un seau, ce n'était pas trop dur. Ce dragon devait être idiot. Alors, l'animal tendit au chevalier un seau en métal. Il n'était pas grand, mais il était percé, le seau. Hein, il y avait plein de trous. Alors, ça va être dur de le remplir. Hein. Et donc, voilà où on est dans cette situation à la fin de l'épisode numéro 2. Le dragon a donné une épreuve à Alban. Va-t-il la réussir ? Nous le saurons dans l'épisode numéro 3.